journée d'essai chez Sport DRC, nous avons la chance d'avoir la caravane Can-Am qui est descendue. Alors, on a tous les modèles, le RT, le C2 Sky qui est bien populaire cette année, les Raikkonen. C'est rare qu'on ait la chance de tout pouvoir les voir en même temps, surtout pouvoir les essayer dans la sécurité totale. Et puis, même pour ceux qui n'ont pas leur permis, qui n'ont pas passé leur petit cours de quelques heures, on a ça, c'est un petit circuit privé ici, sécuritaire. Alors, on vous donne l'opportunité de pouvoir l'essayer quand même un petit peu sur circuit privé. C'est la journée pour ça. Venez les essayer, venez les voir. Ça s'est super bien passé. Au début, j'étais un petit peu nerveuse étant donné que j'ai jamais utilisé ces machines-là. J'ai jamais conduit même de motoneige. Deux premiers tours, j'étais stressée, mais après ça, j'ai pris confiance en moi, puis ça allait super bien. Non, j'ai vraiment, vraiment apprécié pour ma première essai. J'ai adoré. Tantôt, je l'ai essayé avec mon conjoint. Lui, étant donné qu'il avait un cours de... il avait son permis de moto. Fait que je l'ai essayé aussi en tant que passagère. Je me vois pas conduire une moto. Tandis que ça, ben, je serais à l'aise. On peut suivre une petite formation. Avec la formation, je pense que j'irai chercher toute l'expérience que j'ai besoin. Je me verrai conduire ce véhicule. Moi, je suis nouveau avec... je me suis acheté un Raikkonen cette année. Puis je voulais me faire une idée sur c'est quoi les autres modèles, c'est quoi la performance, c'est quoi le confort, tu sais, ça ressemble à quoi. Ça m'a donné une bonne idée. Je les ai pratiquement tout essayés. C'est vraiment plaisant, c'est des belles machines. J'ai essayé le F3 Sport qu'on a en arrière. Je dois dire que c'est mon préféré. Même si moi j'ai un Raikkonen Rally, là, ça c'est probablement la prochaine machine que j'aurai. Les autres Limited R, c'est vraiment des plus grosses machines touring. Là. Ça ressemble plus à des voitures décapotables quasiment. Là, okay. Fait que, on est vraiment à l'aise, pas trop de vent, tout le système de son, l'écran, les valises, c'est une machine voyageuse. Plus confort aussi. Ouais.